Lou, comment ça va? On se retrouve ensemble là pour la suite de Tomb Raider. Parce qu'on aime ça, souffrir tous ensemble. Alors, j'ai oublié de démarrer le jeu. Je suis un peu un gland quand même. Tout à l'heure, on a laissé le jeu. Ça m'avait gonflé. Et là, j'ai compris d'où venait le problème. Est-ce que je me suis un petit peu renseigné? Et je m'aperçois que je suis vraiment qu'un con. Parce que putain, je suis passé à côté du truc, mais genre 15 fois, bordel. Je sais plus si c'est là ou si c'est l'autre. On verra bien. Ah, j'ai diminué de moitié la qualité du stream pour que ce soit plus accessible aux petites connexions. On verra bien ce que ça rend. Ok. Ah bah, excellent. Pile ce qu'on voulait. Là, je tournais comme un gland pendant des heures là. Pas d'autre passage. Allez. Ah ça c'est l'autre pièce. On s'en bat les couilles. Bon, eh bien, allons mourir. Sauvegarder au cas où.
Ensuite, il faut qu'on aille. Voilà. Dans la salle aux planètes. Donc là, faut qu'on les place toutes à leur emplacement défini, mais il n'y en a aucune qui est bien mise. Donc bon. Ça, on dirait bien que c'est le soleil, ça. Oui, il était temps. Qui va avoir la petite boule? Bon, bah, c'est pas son emplacement. Je vais pousser sur celle de derrière, on va voir. Toujours pas, bon. Donc la terre, enfin ce qui ressemble à la terre, on l'a mis au plus loin. Et si on la mettait au milieu? Bonnes petites énigmes, comme on les aime, comme ça se perd surtout. Yes, donc celle-là est bien placée. On va essayer celle-là sur le plus proche, hein. Yes, ça c'est bon, ça fait plaisir. Donc, si c'est pas là-bas et si c'est pas ici. Ok. Peut-être mieux voir de l'autre côté. Ok, putain, en fait c'était genre la Terre au centre de tout quoi. C'est où au plus loin? Celle-là c'est au plus loin. Sinon on va se marrer.
pète là. J'aurais fait la map encore un peu plus grande. Allez, tranquille, et c'est fini. Je sais pas du tout où ça va nous mener, mais on va y aller. Et c'est parti! Passionnant ce qui se passe ici. Oh my God, Jesus. Ok. La Terre est au centre de tout ça. Non. Non plus. Oui. Sont pas les couilles. Ouais, enfin, pas cramer toutes nos balles non plus, hein. Une étoile de David. Non, j'en sais rien, non. Un pentacle, on va crever comme des putes. C'est quoi déjà le nom de la map, la grande bibliothèque? Non, non. L'antre de Satan. On est des poignées derrière tout le monde. Dans quel sens je dois le prendre? Parce que bon, ça n'a pas de sens. Ah, quoique. Ça n'a aucun sens. On va tester autre chose. Oh putain. Ah, j'ai horreur de ce genre de jeu.
C'est une ode à Satan, quoi. Pour l'instant, j'y vais un peu à la cow-boy, mais on va voir. Oh yes. Gueule de la bibliothèque. Comment on fait pour aller à l'étage? Tu vas là-bas. Merde. Elle a du mal à juste regarder avec le fusil à pompe dans les mains. Tu vas là-bas, tu pries Satan et t'arriveras là au deuxième étage. Je peux pas ramasser de parchemin. Hein. Oh bah merci, j'avais bien compris que j'étais en haut. Tu vois que je suis un peu con. J'adore le bruit des flingues, je sais pas pourquoi. On dirait des vieux pétards. Faut que je joue de la flûte en plus. De l'harpe. Non. Non. Putain. Putain. Putain, 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 putain. Caméra d'action. J'ai
J'allais dire GoPro, mais pas du tout. Nope. Je sais très bien où ça mène. Et non, merci. Garder intervalle régulier. Bon, ici, un truc qui va tomber, ça c'est sûr. Là, on peut pas se tromper. Bon, la suite. Ah putain, encore ces conneries là, On apprécie. C'est... Oh l'enfoiré! Oh, l'enfoiré. Oh yeah. C'est bon, il est mort. On peut y retourner. Putain, je me rappelle pas que le chemin était si long pour retourner jusque là-bas. Oups. Censé l'ouvrir au bout d'un moment. Voilà. Ça va venir encore après, je pense. Profiter pour sauvegarder un coup. Ok. À dire qu'on soit encore bloqué parce que attends, ce que j'ai dans mon inventaire, le bras, le gantelet, le pilier de Pharos, je crois que ça s'utilise dans l'autre niveau là où il y a la grande truc sous l'eau. Tac 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 tac. Ok, ok. Je sais pas, je retournais voir les pièces d'avant. Là, je suis un peu paumé. Là. Ici, il n'y avait rien. Je pense pas que ça y fasse quelque chose. Putain, mais elle me casse les couilles à faire ça.
De toute façon, ça va casser, c'est sûr. Ah, putain, j'ai failli y aller. Bon, bah, j'ai sauvegardé, on sait jamais. Mieux vaut assurer le coup. Ok, ça ramène pas du tout, je pensais. Waouh. Oh oh. Il y a la lune qui va nous tomber dessus, les mecs. J'ai tellement bien fait de sauvegarder. Ah non, je suis con, je suis devant. À guider à l'aveuglette, j'ai pas trop mal fait. J'en suis pas trop mal tiré. C'est ce qu'on fait dans ce cas-là. Hop. On ne s'étale pas trop. Ok, bon, on va aller. Waouh! Sérieux? C'est juste pour le coup de flip. Je l'ai tenté, mais j'étais mytho. Sur qu'il y a rien de l'autre côté. Okay. Pouvoir se casser. Est-ce que c'est par là le passage ou est-ce que c'est par là-bas? Ok. Je pense pas que je puisse m'accrocher d'ici. Non, un peu trop courte la meuf. Toujours trop courte. Un peu comme. Non. Nope. No way. Je ne ferai pas cette blague. Sérieux? Oh, l'autre a tellement un gros cul qu'elle passe pas, quoi. Oh. Qu'est-ce donc cela à faire encore? T'as vraiment cru que Lara c'était jusque là-bas? Bah non. Elle devient débile quand elle a ses flingues dans ses mains, elle. Ah, ok, d'accord. Oh, oh boy.
Ah oui, si, il y a quand même un deuxième caillou qui tombe. Putain, mais allez. C'est quoi cette meuf? Comme toutes les meufs, d'ailleurs. Soit dit en passant. J'ai envie de l'insulter. C'est Chiappa qui va pas être contente. Oui, on n'insulte pas les femmes. Mais Nictin, casse pas les... Hein. C'est parce que t'en as pas que... Hein, tu dois vous faire chier parce que t'es jalouse. Bordel. Je sais pas pourquoi il y a des flammes qui passent par moment comme ça. Essayez de sauter sur le côté où il y a le moins de... Bah oui, ça se joue au poil de cul, fils d'op. Lui, il y a une échelle dans sa tête. Non, mais alors là, je... Faut pas essayer d'appuyer sur action, ça lui raccourcit le saut. Ouais, la logique. Ça lui a ouvert un peu la bouche. Hein. On dirait bien que oui. Putain, mais non. Je sais même pas comment tu vas là-bas. On s'en bat les couilles. Ok. C'est de la logique, ça, de passer à travers les... Hein. Allez, vas-y. On est dans ces 5, hein. Ouais. C'est vrai qu'il faut... faut appuyer à droite pour aller à gauche. Ok. Faut le voir. Ouais, quand faut commencer à jouer avec le feu, ça pue.
Waouh, ça m'a fait flipper. Hein, mais encore. Ok, à regarder un truc. C'est une pièce à laquelle on n'a pas accès normalement, on dirait. Ah, oh yes. Donc maintenant faut trouver la pièce, faut poser le truc là. Je pense que c'est au milieu. Perdu. Alors des questions que je retourne là-bas. Je pense pas que ce soit ici, c'est d'après mes souvenirs de tout à l'heure, il y a quelques heures. Pourquoi elle regarde là-haut? Je peux rien faire. Je peux rien faire. Remonter maintenant. Putain de merde, c'est où? Ah, c'est là d'où je viens. Là-bas, c'est les planètes. Ok, c'est l'autre côté. Putain, mais merde. C'est quoi le truc que j'ai eu? Putain, faut que j'aille jouer de la harpe. On remonte par là, je crois. Non.
Allez là, en salle de musique, bordel. Parce que vous savez tous jouer de l'harpe. On sait qu'elle a été élevée dans la autocratie anglaise, mais bon, quand même. Ok, ouvre la porte, c'est ça? Sera peut-être temps. Appartement de Démétrios. Ok. Je sais pas qui c'est, mais. Il devait faire de l'harpe à chaque fois pour rentrer chez lui. Bon. C'est sûrement lui. Nouvelle zone, nouveau problème. J'ai deux éléments pour débloquer. Le monde sous l'eau. C'est te perd quand même. Désolé de ne pas m'être annoncé. Vous détenez le manuscrit que nous avons découvert. Intéressant, n'est-ce pas? Intéressant si seulement vous savez à quoi il fait allusion. Oui, ma chère petite, c'est exact. L'armure en soi n'est rien de plus qu'une curiosité. Mais avec l'amulette et la tablette cérémoniale, elle devient un vestige historique antérieur à la Bible de plusieurs siècles. L'enjeu est ici plus important que la simple réunion de ces objets, von Kroll. Vous ne connaissez pas Armageddon? Même à vous, il doit causer quelques craintes. Enfermer une nouvelle fois l'esprit de Seth, revêtir l'armure sur la statue à minuit au tournant du millénaire, et ainsi de suite. Je n'ai jamais avalé ces balivernes. Idiot, attrapez-la! Toujours des balivernes pour lui. Ok. Alors, histoire d'être tranquille. J'ai bien fait ma sauvegarde, oui. La bande d'enculés. Qu'est-ce que je vais vous insulter? Ce nettoyage. Juste après le nettoyage, ça en est tranquille.
rattrape pas au paradis, FDP. Mais putain! Mais... Elle s'est pas rangée son flingue toute seule, j'te conne. Ok. Parce que, putain, faut que je fasse demi-tour à Yep ou... Oh non... Doc arrivé. La porte là, elle est pas là pour faire joli quand même. Non, pas du tout. Il y a un truc à faire, mais quoi? J'ai envie de pisser en plus. Alors. Bon bah je suis un peu paumé là.
Oh, j'arrête pas de tomber. Bordel. Crois qu'elle arrive à les pousser. Non, bah non. Forcément. Gantelette de gauche. Ouais, oui. Ça va pas me servir. Ah, tu es passé par là, elle peut pas le pousser le truc là. Je vais forcer, je vais passer, hein. Je vais forcer comme dans les anciens Tomb Raider, hein, ça va passer à force, hein. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tout tout tout. Tout tout tout. Tout tout tout. Putain, mais. Je peux pas remonter. Je peux pas descendre. Je peux pas monter plus haut. Je peux pas descendre plus bas. Je peux pas monter en bas ni descendre en haut. Putain! Personne qui veut m'agresser ici. C'est toi qui regarde le live, une petite idée. Je suis preneur, hein, sinon. Je vais devoir suicider là. La menace à 2 francs. Oh putain, sérieux? Oh, j'ai envie de l'insulter. Ah ouais, putain, c'est un gros sur le sol, quoi. Ah putain, j'ai envie de les enfumer, les bâtards. Tu vas me dire que Von Croy avec sa jambe qui boite là, il est. Quoi? Tu vas me faire croire qu'il est passé par là? Foutre de ma gueule. Oh putain. Et une côtière. Ah putain, on est revenu bien comme il faut. C'est là. Oh putain, c'est ici. Oh excellent. Oh putain, ouais. Ah ouais, bébé, ouais. On est sorti de la merde là. Ça faisait trois parties que. Oh le bâtard! C'est une lunette pétée. Allez, où, la fin du carré là. Hop là. Je crois que Von Croy on le retrouve dans Tomb Raider 5. Et on le revoit dans le 6. Mais il y a un spoiler. La personne est partie du live. Vous savez quoi? Je vais en profiter pour aller pisser. Qu'il n'y a plus personne à entretenir. J'arrive.
ORE. Je le remets dans le noir. Hop. Parce qu'à 3h15 qu'on joue à Prison de Lumière, on s'en balèque. Et ça nous fait apparaître. Bah là où il n'y a rien, je crois. Au niveau des portes foirées. Pardon. Ouais, c'est ça. Sauvegarder quand même. Faut que le jeu me casserait les couilles. Bon bah... Genre, ça se passe comme si elle avait l'eau jusqu'à la taille, quoi. Faire ça. Pharos, le temple d'Isis. Il faudrait savoir si Pharos ou Isis. Alors, s'il y a un peu d'eau, il y a deux statues face à face. Ça, c'est le piège de feu. Mec qui voit des pièges partout. Commence à revenir des zombies, pas du tout. Ok. Ok. Allez là. Allez, parce que je déteste les passages sous l'eau. Putain, je suis à plus de 200 sauvegardes quoi. Je joue mais comme une pétoche. Tout ça pour un doigt dans le cul. Parce qu'on aime ça. Enfin. Voilà quoi. Bon, on va pas y aller. Pas tout de suite.
Ça sent le boss. Wow. Jeez. Et puis je suis la chevrotine de merde. Samsung, il y en a des passages dans partout où Samsung. Je sentais gros comme une maison la couille là. Putain, un peu. Ah, sa mère la chienne. Quitte à se mettre dans la merde, autant y aller cow-boy, hein. Mais genre. Ouah, je me fais arracher quoi. Ah putain, mais avance connasse. Oh putain, elle me saoule, mais elle me saoule. Puis d'abord ça d'où ça court là, là. Putain, ça va me suivre partout. C'est quoi que j'ai eu? Allez.
Non, ça peut pas remonter là. Oh, ils sont piégés. Oh d'accord, il en restait quelques-uns. Mais non, putain, sauter. Ça, là-dessus, ils ont pas été trop cons, ils ont mis un trou. Voilà. Hop. Oh putain, il y en a partout. Ok. Ah, brisé, ok. Putain, mais ça va dans tous les sens. Les palettes Cléopâtre. Putain, mais j'ai même pas tout fini. Ok. Je te jure, si c'est par là qu'il faut aller, alors que le jeu me fait non. Je le prends, je l'insulte. Pour un revolver que je n'ai toujours pas.
Oh. Oh bah ça c'est sûr, hein. La meuf, elle a la vue sur rien, quoi. Ok. Parce qu'elle voudra pas. Putain, mais non. Oh. C'est de l'eau magique ou c'est du pétrole ça? Je crois que j'ai ma réponse maintenant. J'espère qu'elle a la moelle d'aller là-bas. Pas du tout. Je m'éteins et je flambe en même temps.
comment moi ici? Bah non. Mais encore. Ouais, non. Mauvaise touche. Ok, on passe pas ici. Ah putain, mais le passage de guet quoi. Putain, c'est où ça s'est ouvert? À faire là-dessus. On va se coincer là-haut, lui. On va se casser. Hein. On reviendra ici après. Hein.
Ah ouais, d'accord, ok, c'est chronométré en fait. Oh, les bâtards. Putain, c'est sérieux ça? Ah, je voulais voir ce qu'il y avait à gauche. Absolument rien, ok. Oh putain, la triple dose. Je crois que j'ai trouvé. Scarabée mécanique. Hein. Alors moi je sais pas combien en Jésus-Christ les mecs. T'inquiète. Ça pèse.
Sauvegarder. Je fais vraiment sauvegarde pour rien, mais au moins c'est fait quoi. Ça m'applaudit. Ok. Allez, vas-y, venez, bande de PD. Tellement mytho. Tu trouves toutes les pièces d'un coup, c'est ouf, hein? Alors. Il y en a encore dans tous les sens. Je me gratte. Parce que là, ça ne va plus. Ah, mais c'est-à-dire que si je passe là, enculé, bah, je vais me faire cracher dessus. Juste pour être sûr. Alors, no, hein, ta mère. Ça pour des fléchettes.
tellement vite, c'est con, hein. C'est de là d'où je viens. Oui. Non. Ouais, faut vraiment être à l'arrêt, quoi. Oh là là. Oh là là. Mais non. Ça veut dire que si jamais je... Oh les bâtards! Merde, j'aurais dû se regarder sur l'autre, parce que je l'ai perdu le truc maintenant. Non, je pense pas que je pouvais monter de toute façon. Oh. C'est salto. Où est-ce que je redécouvre des endroits carrément? Alors, faut une bite en plastique.
par où. C'était pas du tout fait exprès. Si je tire dessus, je m'encule, c'est ça? C'est ça. Bon, c'est toujours mieux que le... La meuf uniquement en muscle de Tomb Raider 1. Ah, la trousse de soin, comment elle est bien posée pour que tu ailles dessus hein. Cléopâtre mieux que les Illuminati. Ah, vous pensez qu'elle passe hein? Ah, ça touche quand même. Wow. Ah, le bâtard, il s'attaque à ma statue! Mais non, mais pas sur ta gueule, connasse! J'avais pas fait gaffe à ça.
Tout à l'heure, elle s'ouvre très bien avec des pieds de biche, maintenant c'est mort. Pensez que si je me tue, la statue elle meurt aussi. Enfin, je parle tout seul. Oh merde. Oh merde. Je crois qu'il faut le double là. Oh le passage mange de vie quoi. Ouais, il a mangé tellement de munitions, je pense. Ah ouais. Figidator, poignée sculptée, gardien du portail. Il se bat tout seul. Toujours bourré de sa cuite malgré des milliers d'années de... Après avoir pioncé. Putain de merde, vous les sentez les mecs invincibles là? Oh putain. On va charger direct.
que tu lui fais quelque chose seulement, déjà? Putain. Grand mot, les grands remèdes, hein. J'avais même pas pensé que pour faire exploser les mecs, on pouvait tirer dedans. Chercher la cinématique sur internet. Oh, hi, Driss Mario. The name. Cleopatra Palace, I think, in English. La cinématique, je pense que c'est celle-là. Ouais. Alors, de rien, de rien. You're welcome. Félicitations, une fois de plus vous avez survécu. Je crois que vous possédez l'armure complète. Jean-Yves va nous accompagner au Caire, un peu contre sa volonté, je le reconnais. Je propose un échange, sa vie contre l'armure d'Orvus. N'y réfléchissez pas trop longtemps, avec tous mes regrets, Werner. Spoiler. Hop. Allez, on est reparti. Et je crois que ça commence fort direct. Allez, hop. Sauvegarder, on va remonter, tiens. Donc là, on est où? La cité des morts, ok. Et je vais peut-être prendre ça.
La moto, moi je voulais conduire la moto. C'est quoi ce truc là? Oui. C'est quoi ce délire là? Par contre, lui il m'arrache, hein, y a pas de problème. Hein. Oh, le revolver, il était temps. Ah, y a pas beaucoup de balles. Hein. Tu sens que c'est une arme qui pèse. Bah, tire dedans, pétasse. Putain! Je peux la prendre. Oh, allez! Alors. Ah non! Non, je peux pas y aller. C'est une blague. Ok. Bon, genre, je vais prendre ça. Une Gatling pété. Merci Driss Mario, thank you Driss Mario. Eh bien, bienvenue. J'ai trop cru que ça allait céder. Oh là 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 là
Aïe 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 aïe. Oh putain. Faire quoi? Faut passer en force. Non, pas tous les jours, non, quand j'ai le temps, quand je peux. Quand j'y pense. Et j'aimerais bien m'y mettre plus souvent en tout cas. Alors ça passe. Ah merde. Arraché. Après, sur mon ordi, je peux faire que des vieux jeux genre Tomb Raider ou quoi, sinon il est pas assez performant. Et pour faire des jeux plus récents, j'ai un autre truc, un autre ordi dans le cloud, enfin bref, tout un bordel. Mais ça demande un peu plus de mise en place et là je voulais faire un petit live tranquille. Je suis lancé sur Tomb Raider donc pourquoi pas quoi. Bordel. Oh, faut que j'essaie d'aller là-bas. Comment recule? Ah d'accord. Le bâtard. Je vais préférer l'écraser. Je vais changer d'arme parce que je suis en train de dépenser mes balles pour rien. Oh merde. Eh hey, putain, j'ai pas sauvegardé, chien. Un peu le bordel. Mais elle a pas la moelle la moto là.
Sérieux, mais j'ai zéro munition pour ça. Pas de patates. Putain, mais ça vaut rien. Peut-être que j'avais pas tapé le mur. Ah ouais. Ben non. Putain, je tape au dernier moment, chier. Ok, c'est léger. Thank you.
Ok, bah j'ai pas du tout en fait. Je vais essayer un truc, mais... J'aimerais essayer quelque chose. Y'a rien là. Non, on dirait pas. Ok. Je suis un peu dans le flou là. Si je viens ici, c'est qu'il y a quand même quelque chose à faire. Ou alors c'est vraiment pour les... Putain, faut prendre serré. Oh putain. Non mais non mais non, je peux pas laisser passer ça comme ça là. Ouais, vas-y si tu veux. Comment tu l'exploses ça? Sérieux? T'as l'impression qu'elle s'en bat les couilles. J'aurais bien aimé aller là-haut, moi.
marche pas. Je peux rien faire. Oh putain. Allez, reste dans ta merde. Je pourrais pas le tirer plus. Non. C'est les usines sur les tourelles. Je pense que normalement tu peux l'ouvrir. On peut essayer. Hein. Juste pour être sûr. Ok, bon vas-y. Sauvegarder quand même au cas où. Ça n'a pas l'air d'être foufouillou. C'est dommage. Ça s'ouvre vraiment pas. Pour aller là. Et lui, je peux rien prendre. Je me rappelais pas que c'était aussi dur. À côté. Allez, c'est ça que c'est bon. Waouh, mais ça me dit tellement pas où c'est. Ouh.
Oh, je me fais tirer même à travers. Ok. Non, je dors pas, pourquoi? Non, 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 non. Never. Puis il me casse les couilles à chanter devant. Hein. Possible. Je peux pas aller là-bas de toute façon. Ok, non, ça casse pas. Putain, j'ai rien oublié pourtant. Quoi? Ok. C'est en train de me casser les couilles à un niveau colossal là, je sens que je peux aller me coucher.
façon, de là-haut, je peux rien faire. Bon, vous savez quoi, en fait, je vais arrêter ici, ça commence à me saouler. C'est dommage. On va sauvegarder là, voilà. Parce que là, ça commence à bien faire. Ça va se faire 5h du mat. Ça serait peut-être temps d'aller dormir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. On se retrouve bientôt pour un épisode de 5 ou 6, je ne sais plus où j'en suis. Et en espérant ce coup-ci, j'arrive à me débloquer, parce que putain... Ça fait chier. Voilà. Bon bah portez-vous bien. À très vite sur la chaîne Curl Prowler. Allez, à ciao tout le monde.